Alors, on va avoir une petite garniture avec des carottes. Je vais vous montrer comment je les fais. C'est une des façons dans laquelle je le fais pour avoir des carottes qui ont bien bien du goût en garniture, hein. Donc là, nous, on garde toujours les épluchures, hein, très important. Les épluchures, on a un gros compost. On a une entreprise au restaurant qui vient les chercher toutes les semaines. Et comme ça, on fait du biocarburant avec les épluchures. Donc c'est toujours intéressant de recycler et de rien jeter. Et donc là, j'épluche mes carottes. Pour l'instant, donc moi j'en ai beaucoup épluché parce qu'on a quand même une quarantaine de couverts à faire aujourd'hui malgré le Covid, malgré le confinement. Donc j'épluche mes carottes déjà et je vous montre la suite après. Alors je vous montre juste des petites astuces comme ça, hein, comment je les fais. Ça peut des fois vous intéresser, vous inspirer. Il n'y a rien de compliqué dans ces petites recettes-là, hein, bien évidemment. Voilà, allez, on épluche. Après, toujours des légumes bio, hein, je l'estime, parce qu'au moins, c'est des légumes qui ont du goût, même si des fois on dit, ouais, le bio, nanana, mais non, si le bio, il y a quand même des producteurs bio, et ils nous font des légumes qui ont du goût, parce que sinon, souvent, ils n'ont pas de goût. Donc ensuite, on prend nos carottes, et on va les couper relativement grosses. On va essayer, vous voyez, les couper en biseau, en les laissant un petit peu. Vous voyez cette taille-là, vous voyez, assez gros comme ceci. Et là, nous, on les met dans des bacs vapeur pour aller au four vapeur. Vous voyez, nous, on a des bacs comme ça, hein, donc avec des trous, on met les carottes dedans. Donc, vous allez les mettre, si vous n'avez pas de four vapeur, bien évidemment, vous les mettez dans une casserole, de l'eau, et vous les faites bouillir, allez, on va dire 10 minutes, juste blanchi, hein, pas. Voilà, 10 minutes suffit, on ne les cuit pas, on va les cuire ensuite. À les faire sauter, donc vous les mettez bien 10 minutes à gros bouillon. Quand ça devient un gros bouillon, vous mettez 10 minutes et vous les laissez, et après vous les égouttez de suite. Donc voilà, ce qui fait joli, c'est vraiment la coupe en biseau comme ça, la carotte relativement entière. Bon, si elle est vraiment très grosse, vous la coupez en deux dans la longueur et vous faites des biseaux après, hein. Donc nous, voilà, on va les mettre 10 minutes au four vapeur, mais vous les mettrez 10 minutes à gros bouillon quand ça bout bien, d'accord? Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, allez, on coupe tout, parce que nous, on en a un paquet à faire. Alors, je vous ai dit 10 minutes, mais en fait, on va les laisser 20 minutes, parce que c'est à la finition qu'on terminera de les cuire, mais on va les mettre 20 minutes. Donc, vous les mettez 20 minutes dans de l'eau bien bouillante pour vous. Moi, je les mets dans un four vapeur, bien évidemment. Hop! Et donc, je vais les laisser 20 minutes à la vapeur. Voilà. Voilà, 20 minutes en vapeur ou dans de l'eau bouillante, ça bout bien, 20 minutes de cuisson, tout simplement. Alors, nos carottes ont cuit 20 minutes, donc dans l'eau. Hop, je mets une belle noisette de beurre, hein. Vous avez vu, je mets ensuite un peu d'huile d'olive. Je sais, un peu. Et ensuite, je mets mes carottes. Donc là, je vous fais une première poêle, hein. Après, nous, on va en faire plusieurs parce qu'on est nombreux, mais. Voilà, on met les petites carottes. Voilà. Bien sûr, on sale, on poivre. Toujours bien assaisonné. Vous avez toujours peur d'assaisonner, donc n'hésitez pas. Ouais, hop. Je laisse bien revenir. Vous voyez, je remue pas trop exprès. Ensuite, je mets un petit épice tandoori. Voilà, petite épice tandoori. Donc j'en mets quand même pas mal, hein, vous voyez. Je mets un paprika doux. Petit paprika doux. Ça va donner un petit goût, mais surtout de la couleur. Et vous avez vu, je remue toujours pas. Comme ça va caraméliser dessous. Parce que si vous remuez tout le temps, vous évitez cette caramélisation. Donc, pour donner une belle couleur à vos carottes, vous laissez mijoter comme ceci déjà et vous n'y touchez pas trop. Pour commencer, voilà, c'est le poivre. Donc, on a mis l'épice tandoori, le paprika. Là, j'ai un mélange d'herbes qu'on fait. Donc, on a le basilic, on a le persil et la ciboulette. Donc basilic, persil, ciboulette, on mélange les trois. Et vous avez vu, j'en mets pas mal.
Voilà, il faut que ce soit bien bien aromatisé. Et là, on a pas mal de goût déjà dans nos carottes. Et maintenant, on va pouvoir commencer à les remuer pour bien imprégner. Vous voyez toute cette jolie couleur, les herbes, les épices et tout. Hop. Et là, je remets comme ça et je n'y touche plus pendant au moins 2 minutes, histoire qu'elle colore bien, qu'elle se caramélise bien. Et je les laisse bien 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 dorer. Je peux rajouter même une petite noisette de beurre. Alors c'est bien, hein, c'est pas trop. Vous allez me dire, oh là là, c'est pas trop calorique, mais pas du tout. Il faut quand même un minimum. Voilà. Et là, on y rajoute une petite noisette de beurre. Il faut quand même qu'il y ait de quoi les imbiber, les enrober. Voilà. Et notre plat est prêt à servir avec une bonne viande. Là, il est prévu aujourd'hui un bon roast beef avec ça. Donc voilà. Donc vous pouvez faire ça avec beaucoup de légumes, hein, vous avez vu, c'est pas compliqué. L'important c'est de les couper en biseau gros, que ça fasse joli. Et en même temps, ensuite, on les laisse bien caraméliser. On assaisonne, tandoori, paprika, doux. Et ensuite, ciboulette, basilic, persil, sel, poivre. Et on laisse bien bien dorer le tout. Voilà. Vous voyez, une belle couleur, regardez comme c'est joli. Parfait. Et voilà. Allez. À bientôt pour d'autres petites recettes.